أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار لازم. بفرير إسا je vous salue tous. الحمد لله رب العالمين. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner un grand secret de آيات الكرسي. Pour toutes sortes de besoins, ceux qui ont des problèmes ou bien ceux qui ont besoin de quelque chose, ceux qui veulent voyager, ceux qui ont besoin d'acheter ou bien ceux qui veulent tout ce que vous avez besoin dans la vie. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous pouvez pratiquer ça. C'est un grand secret parmi dans le livre de Fathur Rahman. Alhamdulillah. Tout simplement, la nuit, vous allez pratiquer ça la nuit. Vous allez faire une bonne ablution, porter les habits propres. Après, vous allez effectuer des rakas la nuit, n'importe quelle heure. Alhamdulillah, vous allez faire des rakas. Premier rakas, vous allez lire Surat al-Fatiha. Alam nashara laka sodraka, wa'adana anka wizraka, allazi anka rizwaraka. ورفعنا لك ذكراك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Vous allez lire ça 7 fois. Premier raka. Deuxième raka. Vous allez lire Surat al-Ikhlas. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. Vous allez lire ça aussi 7 fois. Peut-être qu'il peut y avoir certaines personnes qui ne peuvent pas lire Alam Nashara. Donc, si vous ne pouvez pas lire Alam Nashara, vous pouvez lire Qul huwa Allah cette fois. Deuxième raka, Inna atayna kal kawsara fasolli li rabbika wanharina sha'aniyaka huwa al-abtar cette fois. Après la salutation finale, vous allez faire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Vous allez faire ça 100 fois. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Vous allez faire ça 100 fois aussi. Après, vous allez lire Ayatul Kursiyu. Ce qui est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ba'da wa jubilay min ash-shaytan ar-Rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Vous allez lire ça 313 fois. 313 fois. C'est un peu difficile, mais il faut faire effort. Comme Sayyidina Ali, il a dit, celui qui ne fait pas l'effort ici dans le monde, à l'au-delà aussi, il n'aura rien. Tu n'auras rien ici, tu n'auras rien là-bas. Donc il faut faire effort et prier. Il faut avoir du courage et prier. Donc vous allez lire Ayatul Kursiyu 313 fois. Après, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vous allez lire ça 313 fois. Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Vous allez lire ça 313 fois. Après, vous allez lire Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Alhamdulillahi haqqa hamdihi. Après, vous allez lire ça aussi 313 fois. Donc, ça sera la fin. Après, vous allez faire dua de votre besoin. Maintenant, vous allez faire Suratul Fatih 3 fois ou n'importe quel surat pour finir. Donc, chaque personne qui fera ça, Inch'Allah, tout ce que vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous donner. Ayatul Kursiyu, c'est un grand secret. Celui qui arrive à lire Ayatul Kursiyu 313 fois, même, il ne va jamais être quelqu'un qui est en bas des autres. Jamais de sa vie. Et puis, toutes les sorcelleries, les djinns, les méchancetés, les envoûtements, ça va vous éloignez de tout ça là. Même la pauvreté, ça va vous éloigner de tout ça là. Donc, Ayatul Kursiyu, il y a une grande, grande secret dans Ayatul Kursiyu. Donc, je vous prie de faire ça. Ceux qui veulent se marier, ceux qui, pour toutes sortes de besoins, ou bien ceux qui n'arrivent pas à tenir debout,
Pour toutes sortes de besoins, moi je vous demande de pratiquer ça. Ça, c'est un grand, grand secret de Ayatollah Khursiyou. Que Dieu facilite tous ceux qui veulent pratiquer ce secret. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.